Bonjour, c'est Délise, bienvenue dans ce troisième épisode du Wonder Child. Alors, troisième épisode où il va peut-être montrer le bout de son nez, qui sait. Je crois qu'on n'était peut-être pas tout à fait au troisième trimestre, il me semble. Où est-ce qu'elle en est? Où est-ce qu'elle en est? Deuxième trimestre. Ah non, ce sera peut-être pas pour aujourd'hui ou alors tard dans la nuit. Je verrai quand est-ce qu'elle passe au troisième trimestre. En attendant, j'avais bien envie de lui acheter des fruits, histoire d'orienter un petit peu cette naissance, hein, parce que je serais pas contre avoir une petite fille, j'avoue. Oh oui, t'as faim. Ben oui. Alors là, l'idéal, tu sais, ce serait que je te trouve à manger des fraises, donc. Non, ben non, il n'y en a pas dans l'inventaire. Alors, est-ce qu'il y a moyen d'avoir facilement des fraises? J'essaie de me souvenir en même temps que je parle. C'est pas forcément évident. Mais de toute façon, il n'y a pas de mystère, il va falloir commander. Pour cela, il va nous falloir un ordinateur. Et pour avoir un ordinateur, vous m'avez suivi, il va nous falloir un bureau. Si j'allais dans la bonne pièce, ça serait encore mieux. Un petit bureau, je vais prendre celui de mini-maison. Que j'aime beaucoup, ce petit bureau. Et une petite chaise, parce que ça ira bien avec. Hop. Et il devrait me rester assez de sous, juste, hein, mais pour avoir un ordi. Non, mais je sais pas pourquoi je. Parce que moi j'aime bien le petit ordinateur portable. Hop là. Je m'occuperai de la déco plus tard, un jour peut-être. Et nous allons commander. Alors, acheter des graines. Ça doit être acheter des graines. Je crois que je ne peux pas acheter directement. Ouais. Alors, c'est pas des fleurs, ce sont pas des légumes, si, des fruits. Des fruits, alors c'est pour débutants, j'en ai acheté quelques-uns. 175, c'est une chose, ce sera pas mal. Et on va ouvrir tout ça. Est-ce qu'il y a des fraises? Je veux des fraises, je veux des fraises. J'ai pas de fraises, crotte. Je sens que je vais avoir du mal à avoir des fraises. Non, 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 t'en vas pas. Ouvre-moi toutes ces. Il en reste plein là à ouvrir. Oh. Allez. Bon, très bien. Il n'y a pas de fraises. On est en quelle saison? On est au printemps. Je vais peut-être mandater son cher et tendre pour aller chercher des fraises quelque part. Il doit y en avoir probablement dans Willow Creek. Après, est-ce qu'il va peut-être falloir que ce soit les fruits soient disponibles. Et ça, c'est pas fait. Alors, nous allons faire un petit tour. Je vais quand même aller vérifier par acquis de conscience. Il y en avait, je crois qu'il y en a là-bas derrière. Des fraisiers, si mes souvenirs sont bons. Ah oui, ils sont partis tous les deux, j'ai pas dû faire gaffe. Ah mais non, mais elle est affamée. Il faut qu'elle aille au petit coin. Comment dire? Non. Puis je vais aller voir. Alors, qu'est-ce que ça dit? Parce que dans mes souvenirs, il y avait pas mal de plants ici. Des romes et des rosiers. Des mufliers. Des jacinthes. Ah, des fraisiers. Et des fraisiers qui n'ont pas de fruits, forcément, parce qu'il va falloir que je passe du temps ici. Non. Allez, on rentre à la maison. C'était un coup dans l'eau. Et je vais faire écouter la musique pop, hein. Je vais éviter de trop m'obstiner de toute façon. Alors, cela dit, avant tout, première urgence que nous devons gérer, ce sont les toilettes. Ah mince, c'est vrai qu'elles étaient très sales. Bon, je vais espérer qu'elles tiennent le coup. Et pourquoi? Ah, mais il est au travail. J'avais complètement oublié. Allez, hop. On monte, on monte, on monte, on nettoie, on nettoie, on nettoie. On essaye d'y survivre. Je sens que c'est compliqué là. Qu'est-ce que c'est là dans la convention geek? J'y ferai pas. Non. Oh là 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 là. On est dans le rouge, on est dans le rouge. Vite, vite, vite. Ouf, on est sauvé.
On est sauvés, on va redescendre. Oui, je sais, c'est pas cool. Et toi, tu travailles pas un peu? Dans 2 jours, on est bien. Et tu vas retourner manger un petit coup parce que, a priori, il fait encore faim. Il fait encore faim. Et alors, nous allons prendre un appareil radiophonique. Tout à fait, ceci. Non, je ne vais pas moins cher, ce sera 125 choses. On va prendre le gros machin bien décoratif que je vais cacher sous l'escalier. Allez, boum! J'aime bien cacher des trucs sous mon escalier. J'espère juste que ça ne gênera pas l'accès à la poubelle. Et écoutez, dans la musique... Elle est où? La musique pop. Et qu'est-ce que cette assiette fait au milieu du... Non, on en parle ou... Ah. Allez hop. Alors par contre, donc on a dit qu'elle écrivait, elle, ce qui fait que peut-être falloir s'entraîner un petit peu à... Hein? Ça tombe bien, j'ai acheté un ordinateur que je vais donc déplacer. On va le descendre, on va essayer de voir si on arrive à le caser quelque part en bas. C'est pas gagné. Dans un endroit un peu pratique, punaise, où est-ce que je vais le mettre? Je vais peut-être le mettre là-bas dans le cheminée. Du coup, le chevalet, je le mets ailleurs. Non? Pourquoi ça passe pas? Ta fille est un peu là. Bon. C'est pas si mal. Hop. Allez, maintenant on s'entraîne à écrire en même temps. Plus de choix, c'est où? Non, je me trompe. C'est pas s'entraîner à programmer, enfin. Écrire, ouf. Bon, on va écrire tant qu'à faire directement. Un livre pour enfants, ça tombe bien. Ne jamais manger son hamster et autre... Oui, mais tout à fait. Ça me paraît extrêmement approprié. Acquis la compétence écriture, ça devrait aller vite en plus, hein, parce qu'on sait que hein, dans les mini-maisons ça va très vite. Alors là je suis passée en grande vitesse hein, parce que finalement, c'est pas hyper passionnant. Jérémy est au boulot, elle travaille sa compétence. Je vais juste surveiller que voilà, elle ne meurt pas de faim, tout en écoutant de la pop musique. Allez, il faut écouter en même temps. Hein. Je te vois pas là, écouter tout. Quoique si, excellent morceau. Donc, je vais supposer qu'elle écoute la boîte musique. Non, je vais rester dehors, comme ça je l'ai pas. Zut. Allez, boum, niveau 2, niveau 3. Bon, là, hop, on va arrêter. Elle a bien progressé, mais comme j'ai, comme qui dirait, une urgence pipi. Donc nous allons, hop, monter et puis on va redescendre manger un petit bout parce que sinon ça va pas le faire. Allez, zou, file. Oh là, ça va. Ah bah Jérémy est rentré, elle nous a ramené un peu des sous. Alors la question que je me pose, est-ce qu'ils sont toujours en réunion de groupe, parce que je suis pas sûre. Ah bah oui. Voilà. Pourquoi tu t'en vas? Je sens que tu vas chercher ton petit Jérémy. Oui, oh. Discuter, c'est discuter avec un petit cœur. Hein. Mais t'es obligé de sortir et de faire le tour. Il va falloir que je tourne ce terrain, je pense, parce que ça va me saouler. D'ailleurs, je vais faire ça tout de suite. Beaucoup mieux comme ça. Alors la perspective change un petit peu, on ne donne plus sur le tramway, bon finalement c'est pas si mal, mais on donne sur la grande place devant, c'est sympa aussi hein, après tout.
resto, pourquoi pas, hein, ma foi, sur le café, tout ça. Allez, du coup, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire mes tourtereaux là? On va les fatiguer maintenant. Non, je te jure. Non. Oui, vas-y, tu peux t'entraîner à écrire, c'est tout à fait autorisé. Et toi, ben voilà, tu as lu dans mes pensées. Allez, de la peinture. Il est au niveau 7. J'ai commencé cette partie un dimanche et mardi. Il est au niveau 7 de la peinture. Elle doit être au niveau 4 du coup de sa compétence écriture. Ça monte, c'est fabuleux. Ah mais d'autant plus ils sont en réunion de groupe, je suis en train de me dire. Je vais vérifier les récompenses. 702 points de groupe. Qu'est-ce que je peux avoir comme avantage? Un avantage sur les compétences. Bon, bah, j'ai les deux principales. Peut-être la compétence éducation. Hein, elle va. Je vais la faire augmenter. C'est celle-là, la compétence éducation. Compétence faculté sociale. Hein, ce sera bien. C'est les compétences des petits aussi. Ouais, faut que je garde des points quand même. Et après, la question, si je pourrais le mettre dans le groupe, le petit. Allez, compétence éducation. Parce que ça servira, je pense. Hop, lui, quand il aura fini, quand il aura complété sa compétence peinture, bah. Oh, elle est chouette cette peinture. C'est dommage qu'on la vende, quoi, mais. Oui, bah ça. Non, je te demande pas. Allez, hop. Vends à une galerie d'art. Nous, ça fait besoin de sous, de sous-sous. Et ensuite prendre des restes. Alors, elle en est où, ma petite Léa, au niveau de sa grossesse? Qu'est-ce que ça dit? Troisième trimestre. Bon, là, ça allait super vite. Je me dis que peut-être, je vais peut-être rester jusqu'à l'accouchement, jusqu'à avoir ce. Ben non, tu peux pas te coucher comme ça, ma cocotte, enfin. Jusqu'à avoir ce Wonder Child qui arrive quand même, qu'on sache un petit peu. La nature, au moins, fille, garçon. Mono-enfant, jumeaux, etc. Et puis elle mangera plus tard parce que là, je sens qu'il va falloir qu'elle se repose. Et mon petit Jérémy, bah, il est pas mal. Donc, pourquoi j'ai plus ma poubelle? Je sais très bien que j'avais une poubelle ici. Où est passé? Ah, j'ai dû la perdre quand j'ai bougé le terrain. Ah, ben bah, c'est pas grave, je vais remettre une poubelle. On n'est plus à ça près. Alors par contre, il va falloir que j'en mette un petit coin parce que sinon. Eh bien oui, elle est dans mon inventaire, pardi. Pardi, pardi. Ah, j'ai perdu plein de. J'ai perdu plein de végétation au passage. Mais je suis pas sûre que je vais savoir la remettre, moi. Je vais remettre un peu devant là, si. Les trucs un peu en symétrique. Hop. Ici aussi, qu'est-ce que je vais mettre? Puis ça aussi, je suis pas sûre là. Je suis pas sûre. Je vais remettre allez, ça, quelques petites fleurs. Ça, c'est bien les fleurs. Alors, ensuite donc. Mon petit Jérémy, qu'est-ce que je fais de lui? 9h30? Bon, il est à peine fatigué, bichon, mais. Hop, tu me ferais pas une petite toile encore vite fait? Une toile confiante. Parce que je vais avoir besoin. Les toiles émotionnelles, j'en ai avoir besoin. Parce que dans ce challenge, on n'a pas le droit d'utiliser les lampes qui font des émotions. Les lampes, vous savez, en forme de prisme. Et du coup, ça m'embête parce que je les utilise beaucoup, celles-là. C'est toujours. C'est un peu mon truc pour avoir des émotions. Et du coup, c'est aussi pour ça que je l'ai lancé sur la compétence peinture pour avoir des pour avoir des toiles émotionnelles. Niveau 8. Non, mais tout va bien. Niveau 8 en 2 jours et demi. Bah, super. Bon, bah, sur ce, je vais l'envoyer au lit. Puis, je vous dis, je pense qu'on va continuer encore un petit peu parce que là, c'est pas très très long. Et puis, je suis quand même curieuse de savoir ce que va donner cet enfant. Hop. Bon là je vais avancer pour la nuit et puis on va se retrouver juste après. Alors forcément on a un lever au milieu de la nuit.
un lever, ça va pas du tout là. J'ai envie de faire pipi, j'ai faim, je suis pas propre, un peu la totale là. Donc comme j'ai beaucoup d'empathie avec mes Sims, je vais tenter de résoudre ces divers problèmes. On est content. Troisième trimestre, allez, allez, on y croit. On va voir si j'ai des sous pour acheter un berceau pour éviter qu'elle passe trois jours à accoucher. Bon, si ça va plus vite, hein, je dis c'est toujours aussi bien. J'avais pas vu que j'avais un petit peu de vaisselle à faire, forcément. Et ensuite, allez, on va aller prendre des restes. Oh, c'est cuisiné. Allez, hop, 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 on y croit. Bon, elle travaille toujours pas, je pense que c'était dans 2 jours. Elle travaille. Ah, dans 6 heures. Elle travaille aujourd'hui, tiens. Ah, puis c'est agréable parce que j'ai dû lui préparer plusieurs tenues du quotidien. Et je m'aperçois que je les avais oubliées, comme ça je les redécouvre au fur et à mesure. J'aime bien, c'est sympa. Ça fait du bien de manger. Et puis alors mangeons debout parce que c'est quand même beaucoup mieux. Cette maison est sombre. Je me demande quand même s'il manque pas une ou deux lampes de ci, de là. Je vais tester cette théorie tout de suite. J'ai jamais passé autant de temps dans le catalogue achat, j'ai l'impression. Éclairage. Alors, qu'est-ce qu'on peut ? Un petit éclairage sympathique ici. Ah, bah oui, ça manque de lumière. Pardi. Hop, un petit comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'on va mettre dans le salon ? Il faut que je fasse attention au sous. Un petit comme ça, un petit comme ça. Et doucement, doucement sur les... Hein, doucement sur la lune. Eh ben, c'est pas dommage, ça va mieux quand même. Alors, par contre, moi, je les aime bien. Avec... Voilà, quelque chose de pas trop bleuté. Enfin, pas trop jaune, ni trop bleuté. Donc, oui, je suis un petit peu difficile sur ma lumière. Et aussi... Mince. Je veux des éclairages automatiques. Tous les éclairages. Voilà. Oh bah oui, c'est quand même beaucoup mieux. Et tu as une poubelle, je te signale. Alors, je vais voir. Elle n'est peut-être pas accessible, hein, si elle n'y avait pas mise spontanément. Et non, elle n'est pas accessible. Ah, elle est partie monter laver ça. Allez, redescends, cocotte. Redescends. Je vais faire peindre Jérémy à fond. Comme ça, on aura des sous, parce que là... Ah, tiens, d'ailleurs, le voilà. Qu'est-ce que... Oh, il va aller faire un bisou à sa dulcinée. C'est Choubidou. Cadre. Mmh. C'est un joli bisou, ça. Et il se lance sur la peinture. Il est très bien, ce petit. Il est très, très bien. Alors, nous... tu vas reprendre l'écriture, je dirais. Ça serait pas mal. Ah, mais elle a déjà écrit le... Il est là. Ah bah super, il est là. Par contre, du coup, si je veux le garder, il ne faut pas que je le mette. J'essaye de le vendre parce que sinon je ne l'aurai plus du tout. Je vais voir, je crois qu'il y a des modes qui existent pour ça. Ce sera peut-être un mode que je vais m'autoriser. Parce que j'ai bien envie qu'elle garde un exemplaire de son travail, après tout. Écrire un livre de genre. Allez, enfant. Non, t'as pas besoin d'aller... Ouais, du coup, là, ils sont en réunion de groupe, donc ça écrit, ça peint. Les tigres ne font pas de sieste. Bah. Qu'est-ce qu'il fait comme un... Qu'est-ce qu'il fait comme un truc, là ? C'est original. C'est... On dirait un peu un monsieur, madame en colère. Ah, c'est une toile pop art. Allez, on va la vendre aussi, histoire d'avoir un peu de sous. Dommage, j'aurais bien gardé celle-là. Et puis, on va aller le faire se laver, le petit Jérémy. Allez, allez, on y croit. Est-ce que... Oh non, vous savez ce que... Ah mince, non, il va au travail. J'étais en train de penser à lui faire prendre une petite douche... Une douche embuée. Comme ça, j'aurais pu lui faire peindre une peinture d'humeur. Mais bon, comme il va partir au travail, ça sert pas à grand-chose. Et puis elle aussi, du coup, elle va partir... Je vais avoir les deux au travail, je vais avoir la maison vide. Oh là là.
Oui, mais toi, je crois que tu n'écoutes pas de la musique pop, hein? Allez. Non. Changer de station. Changer de station. Allez, on écoute sa musique pop. Niveau 6 de la compétence écriture, tout va bien. Ah, d'accord, c'est... Ah. Ça fait longtemps qu'elle n'était pas allée aux toilettes, hein, aussi bichette. Allez, bien, on y retourne. Quand ça me saoule un peu que les toilettes soient à l'étage, mais j'ai pas la place de mettre une salle de bain en bas. Qu'est-ce que c'est ça là-haut? Ah non, ça n'a pas marché visiblement. Ok. Et ensuite, elle va aller au travail. Oui, elle va aller au travail. C'est ça? Oui. Allez, mais c'est parti, les deux au boulot. Qui sait, peut-être à la fin de la journée, j'aurai ce bébé. Ah bah, à peine partie, le travail a commencé. Parfait, qu'est-ce que j'en fais? Ah mais elle est revenue. Elle est revenue, donc bah, si le travail a commencé... Hein. Non, elle va pas... Ah, elle n'est pas assez compétente. Écoute, va écouter un peu de musique, on sait jamais. Au moment de l'accouchement, on va essayer d'influencer encore le sexe du bébé. Pourquoi pas? Hein, alors, ma cocotte, par contre, tu vas peut-être manger un petit truc aussi, parce que mine de rien, c'est pas tout, t'accouches, mais t'as l'air d'avoir les crocs. Oh, gagner 100 simflouzes en publiant des livres, commencer à écrire un nouveau livre, hop, hop, hop. Je vais pas épingler l'autre parce que je sais pas encore si je vais publier tous ces livres. Enfin, si je retrouve ce mode que j'ai dans la tête qui me dit que il y a moyen de garder les exemplaires qu'on a écrits. D'ailleurs, est-ce qu'elle a fini l'autre? Il est encore en cours. Allez, allez, toujours en travail, très mal à l'aise, ben oui, du coup, c'est pas trop la fête. Bourselon, hein, ces jeux, je se porte pas mal, en fait, hein. Allez, allez. J'accélère, hein, parce que bon, là, il se passe pas grand-chose, mis à part que j'aurais pu acheter un couffin, d'accord. Mais bon, on va dire que là, on a fait le plus gros, donc ce sera un peu dommage de dépenser des sous. On va aller... Ah, moins que, qu'est-ce que c'est ça? Avoir un bébé. Eh ben, nous, on y arrive. Oui, mais on va sortir pour accoucher. Eh ben oui, pardon. Dans le jardin, c'est vrai que... Dans le jardin, sous la pluie. Je vote pour. Alors, un petit garçon. Eh ben, pas de problème, ce sera un petit garçon. Alors, j'avais réfléchi au prénom, voyez-vous. Ce sera un petit Ethan. Mon futur Wonder Child. Et voilà. Oh, Prinza. Prinza. Oh. Allez, non, tu t'en vas pas. Tu vas faire connaissance avec ton enfant. Oui, je sais, t'as envie de dire pipi. Alors vivement que Jérémy revienne pour qu'on travaille cette compétence éducation. Allez, on fait un câlin, on allait, elle va se faire pipi dessus, vous allez voir ça. Comment, le bébé est vert, le bébé va bien, donc elle peut courir aux toilettes. Et je vais rentrer cet enfant. Je sais pas pourquoi, là, c'était un... L'accouchement sous la pluie, c'était chaud, hein, mais... Oui, au milieu du salon. L'enfant est au milieu du salon. Elle va se faire pipi dessus. Mais va aux toilettes, bon sang. Pourquoi tu vas pas aux toilettes? On voit bien que ça presse. Allez, hop, hop, hop. Il va falloir que j'achète un livre aussi pour la compétence éducation. J'ai une bibliothèque ici. Acheter des livres. On va faire monter un peu cette compétence éducation. J'avoue que si j'arrivais déjà à savoir ce que veut le bébé quand il pleure, eh ben... Ça serait pas dommage. Hop. Non, non, Coco, tu vas pas... Tu vas aller lire... Voilà. Pendant que ton enfant dort.
On va maintenant ça, on va l'éteindre hein, du coup. Ça n'a pas marché. Et une promotion pour Jérémy. Qui va aller tout de suite nous faire de la peinture. Toi, le représentant des Sims. Ah, mais si c'est encore l'espèce de... Ah non. D'accord, je pensais qu'on allait nous demander de choisir quelqu'un à peindre. Ça, je crois que c'est un truc qui est dans les Sims 3. Ça manque un petit peu, là, j'avoue. J'aimerais que ce soit plus facile pour arriver à peindre les autres. Alors, éducation, que la compétence 1. Non, tu te moques de moi, là. Non, 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 non. Faire une sieste, et oh. J'irai dormir tout à l'heure. Allez, lis-moi. Ah, mais... Tu l'as même pas rangé. Qu'est-ce que t'as fait? Ah, il est là. Allez, on lit. Quelle humeur il faudrait avoir pour gagner, pour arriver à faire augmenter ses compétences. Ah bah, hop, non. Non, non, non. On laisse faire Jérémy. Tout va bien, il y a une couche, ça a changé. Là, ça se voit, ça c'est facile. On va changer la couche sale et puis comme ça, il va faire des câlins à son bébé, à son petit Ethan. Oh, discours, hein. Je vais essayer de la faire tenir veille que veille jusqu'à ce soir. Oh, c'est mignon. On va nettoyer ça là. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait sur cet ordinateur? Ouais, il va monter. Il va monter là où le lavabo gronfle. Allez, ah mais elle peut pas le vendre à un collectionneur. Ah mais il y a que lui qui peut le vendre à une galerie d'art, dites donc, je pensais pas. Ah, mais c'est parfait tout ça, parfait, parfait. Ensuite, non bah allez. Elle en peut plus la bichette, hein. On va essayer de lui faire manger quelque chose et puis après ce sera au lit. Oui, t'es fatiguée, je sais. Je sais, je sais. J'avoue que là, je t'écoute pas trop. Hop. Prendre des restes aussi. Lui aussi a faim. Ah, mais voilà, ça va recommencer. Cette musique tourne tout le temps. Ça m'embête et je l'éteins. C'est un peu l'histoire de mes let's play. Moi qui éteins la radio, je crois. Alors, oui, qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, vraiment que j'achète... Ah, bon, je pense que la prochaine fois, je vais meubler un petit peu cette cuisine, voire l'agrandir un petit poil. Allez, 9h30, je peux décemment l'envoyer au lit. Ma petite Léa. Hop, dormir. Lui. Non, 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 on va pas remonter une deuxième fois, mon coco. Voilà, ton assiette, t'as une poubelle, elle est très bien pour ça, ça va éviter... Hop, hop, hop. Allez, une toile représentant un sim. Peut-être jusqu'à ce que le bébé pleure encore, et puis je les enverrai tous les deux au lit. Oh, ça me paraît bien. Puis en plus, ça finira let's play, on sera pas mal. Ah bah non, il dort. Il dort cet enfant. Elles sont pas mal ces toiles qui représentent des cimes, j'aime bien. Non, 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 t'en vas pas, bon sang. Ouais, c'est bien les paliers en fait, ça les arrête au mieux de leur lancer, on n'a pas à se faire tout l'escalier avant qu'ils décident de redescendre. Bon, bah super, hop, allez, au lit. Du coup, bah ça termine ce let's play, hein. Je suis contente, j'ai mon Wonder Child, ça y est, qui est né. Alors, j'ai encore un peu de répit avant de commencer la course folle des compétences, hein, parce qu'il va falloir qu'il soit bambin, mais du coup, je pense que bientôt, on va commencer à le faire travailler, à le faire évoluer, cet enfant. Allez, bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu, puis d'ici le prochain, amusez-vous bien.